Salut à tous, c'est Mister Freeze. Et vous ne rêvez pas, je suis bien en train d'enregistrer du Final Fantasy V après 7 ans de pause. Et c'est pas vraiment 7 ans de pause vu qu'en fait je recommence depuis le début sur la version Steam, donc sur PC. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette version? Alors bah déjà il y a un truc sympa, c'est que là on peut voir toutes les musiques du jeu. Voilà, pardon. Il n'y a pas besoin de les débloquer, elles sont toutes, hein, je vais pas vous les faire écouter maintenant. On peut voir le bestiaire. Avec la musique associée, hein, par exemple c'est un boss qui aura la musique du boss. Bon là il y a une espèce de tutoriel qui nous explique un peu tout comment faire, les équipements, les altérations d'état, enfin, etc. Donc ça c'était un peu, on va dire, pour l'interface. Bon après, graphiquement le jeu est beaucoup plus beau. Enfin après. Chacun ses goûts, hein, mais moi je le trouve plus beau. Après, je dis pas que la version originale est moche, elle est très belle pour la Super Nintendo. Simplement, ils ont réussi à rendre le jeu plus beau sans vraiment dénaturer. Enfin, je vous en dirai plus en détail quand j'aurai commencé le jeu. Je voulais découvrir le jeu avec vous, c'est-à-dire enregistrer, enfin lancer la première fois le jeu avec vous. C'est ce que j'avais fait en fait, mais vu que la vidéo était trop pourri en fait, a été saccadé. Il y avait enfin bon. En gros c'était mal enregistré quoi, parce que j'utilise un autre logiciel par rapport à d'habitude, parce que ceux que j'utilise d'habitude ne détectent pas FF5, ce qui est très chiant. Donc j'espère que cette fois c'est la bonne. De toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que c'est la bonne. À moins que bon, j'espère que ça va pas trop ramer, parce que moi je vois pas le jeu ramer, mais la vidéo en fait on voit le jeu ramer quoi, c'est un peu chiant. Donc je vais lancer le jeu sans plus attendre, puis ouais, je vous dirai les ajouts plus tard, hein, au fur et à mesure qu'on jouera. Allez, c'est parti. Alors comme vous voyez, des portraits maintenant pendant les dialogues. Ils sont vraiment bien faits, je trouve. On reconnaît pas trop les persos, les nains par exemple, avec ses cheveux roses, on les reconnaît pas trop. J'aime bien le style, ça fait un peu vieux design des FF, comme faisait Amano sur les premiers FF en 2D. Après, je me rappelle pas de la personne qui a fait les... ces dessins-là pour cette version. C'est pas à Mano. Alors les musiques, j'ai pas les musiques en tête de la version originale. Moi j'ai les OST en fait. Ça ressemble énormément aux OST là. Je vois pas une grosse différence, mais je pense que sur Super NES la musique était plus compressée. Donc elle devait être quand même de moins bonne qualité. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à FF5 sur Super NES que j'ai pas pu comparer.
Voilà, donc ça y est, on a la main, on peut jouer. Donc bah il y a pas grand-chose à comprendre, Armiteur s'est écrasé, donc on contrôle le perso dont on ne connaît pas encore le nom. On va aller voir ce qui s'est passé. Tous les persos d'avant qu'on a vus, bon on n'est pas censé les connaître, donc j'en dis pas plus sur eux pour l'instant. C'est pas par là. Ça commence bien. Je me trompe déjà de chemin. Bon, de toute façon, on peut explorer la map, hein, parce que pour l'instant. Voilà. Donc, les différences. Alors, déjà, il y a les 4 classes qu'il y avait sur la version Game Boy Advance, parce qu'il y a eu une réédition Game Boy Advance. La Fantasy 5 qui était quasi la même que. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah non, bah non. Je sais pas ce qu'il avait. Ouais, qui était quasi la même sur GBA. Là, la seule différence. Enfin, la seule différence sur GBA, c'est qu'il y avait un nouveau donjon et 4 nouvelles classes. Donc, c'est inclus également dans cette version. Il y a encore un autre nouveau boss qui s'appelle Enuo, ou Enuo, je sais pas comment on dit, Enuo. Donc, je connais pas du tout ce boss, hein. Apparemment, il a été rajouté exprès pour cette version. Les 4 classes, je me rappelle plus ce que c'était. Il y a canonnier, gladiateur. Ouais. Me rappelle pas. Franchement, je me rappelle pas de toutes les classes. On va un peu apprécier le jeu. Alors ouais, la première fois que j'enregistrais la vidéo, je découvrais le jeu. Donc ouais, ça m'a un peu choqué la tête de notre perso principal. Voilà, on peut renommer que le perso principal, ce qui est un peu bizarre. Du coup, on apprend son nom après les autres. Donc c'est un style, hein, c'est un style, le portrait des persos. Moi j'aime beaucoup, ça fait un peu style à la Castlevania. Oui, j'aime bien. En fait, le cristal là qui est exposé, c'est le cristal du vent. On va en savoir plus bientôt. Il s'appelle Bartz. Si vous vous rappelez, sur la version Super NES, il s'appelait Buds. Butz. Apparemment, Bartz, c'est la vraie traduction. De toute façon, là, c'est la traduction officielle de Square Enix. Dans tous les autres jeux, par exemple, je sais pas, Dissidia ou les jeux comme ça, il s'appelle toujours Bartz. Alors, je pense que Buds, c'est une traduction des fans, je sais pas. Un Galuf, j'aime beaucoup aussi ça. Son portrait. En fait, ce que je trouve un peu bizarre, c'est autant les portraits, je les trouve beaux. Même si ça fait un peu décalage avec le reste. Autant les persos en jeu, je sais pas. Je trouve qu'ils ressortent du décor ça va pas trop avec. En tout cas, on peut pas dire que les décors soient moches. Ils ont réussi à faire des décors vraiment très beaux, des belles textures. Sans que ça perde trop de ce que ça avait avant, enfin. Ça ressemble toujours bien au jeu d'origine, mais en plus beau, quoi. Parce que souvent, il y a des remakes, ils refont tout, et puis ça ressemble plus à rien, quoi. On perd l'aura d'origine du jeu. En tout cas, les musiques sont toujours très belles, même plus belles. Bon, bien sûr, si on aime les vieux sons 16 bits, les graphismes 16 bits, faut pas jouer à cette version. Après, apparemment, cette version a beaucoup plus de contenu. Perso, moi, je joue pas FF5 pour l'histoire. Bien qu'il a une bonne histoire, FF5. Pour moi, c'est pas une des meilleures. Ce que j'aime le plus dans FF5, c'est le gameplay, en fait. Alors. Que de Phoenix. Alors, je crois pas qu'il y ait d'autres coffres dans le coin, mais on va quand même en vérifier. Je connais pas par cœur FF5 du tout, je l'ai fait qu'une fois. Bon. Là, y a rien. On va sortir par là. En tout cas, ouais, le jeu est assez joli, de mon point de vue. Et ça me donne vraiment envie de refaire FF5.
Là, on va remonter. On dirait qu'il va lui foutre une tarte, là. Ça m'avait fait marrer aussi qu'ils ont mis un portrait pour le chocobo. Du coup, il a l'air beaucoup plus adulte sur le portrait. Ce qui est pas plus mal, hein. Donc ça c'est en contrôle, hein, là on contrôle bien le perso. Alors ce qui m'avait choqué aussi c'est l'interface en combat. Bon, elle est bien épurée, elle est cool. Mais c'est que le menu à droite des persos, c'est un peu bizarre. Ce que j'adore par contre c'est le menu, mais bon, je vous le montrerai après parce que ça va pas trop avec la scène. Genre faut s'enfuir et tout, le gars regarde le menu tranquille. Bon les combats hein, pour l'instant c'est... D'ailleurs regardez, il y a une touche maintenant pour mode automatique. Et du coup ça combat tout seul, ça fait que des attaques simples. Donc ça c'est un mode qu'on retrouve dans pas mal de... De nouveaux RPG. Et souvent dans les remakes ils font ça aussi. Donc on a un super chocobo 3 places hein. Direction assistée. Et du coup, voilà. Ils sont vivants. C'est une bonne chose. Le gars, il monte sur une falaise juste pour... juste pour impressionner une fille. Non, je déconne. Donc Galuf, hein, il est amnésique, hein, comme il l'a dit au début. Il se souvient que de son nom. On l'a juste vu au début dire « je dois me dépêcher ». On sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent une réédition de FF5. Parce qu'ils avaient fait pareil avec le 3 et le 4, mais en fait c'était la version 3D qui avait sur DS. Il y a le... Non, le 1 et le 2, ils l'ont pas fait. Du coup, peut-être qu'on verra le 6, hein, on sait pas. Hein. Vu que le 7, ils vont le remaker sur PS4. Est-ce qu'ils vont faire comme avec le 5 pour le 6? Je sais pas. Après le 6 c'est un peu mon. C'est un peu mon bébé. J'ai pas envie qu'ils y touchent. C'est vrai qu'on est vraiment nostalgique d'un jeu. Bon ça c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Quand on est nostalgique d'un jeu, ouais. On a pas trop envie qu'on. Qu'il soit modifié. Parce qu'autant le 5 graphiquement il était beaucoup plus moche que le 6. Autant le 6, il est très joli quoi. Bon, là j'ai mis le mode auto. Comme ça je peux bouffer en même temps, c'est cool. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé pour une vidéo en plus. Voilà, c'est trop rapide, j'ai pas le temps. Donc le truc qu'il y a dans FF5, c'est qu'il y a des passages secrets partout. Donc faut faire gaffe.
Je vais vous montrer le menu quand même, histoire que vous le voyez dans la première vidéo. Donc le menu, je le trouve vraiment génial par contre. Il est tout épuré, mais il est cool quoi. C'est le menu d'origine, bah, c'était la simple liste là, comme on avait avant. Je crois que dans le 5, alors dans le 4 c'est sûr, mais dans le 5 je sais plus. On pouvait même pas changer de perso quand on était dans un menu, genre dans le menu équipement. Là on a carrément des petits dessins. Là en haut on voit quel équipement peuvent équiper les persos. Bon là ils peuvent tout équiper parce que ça dépend de la classe, on verra plus tard. Il y a des descriptions pour chaque objet, enfin c'est assez sympa, on peut s'équiper comme ça. Alors par contre un truc qui m'a surpris. Qu'est-ce que c'est que cette stat poids là? Il y a du poids. Et je ne me rappelle absolument pas que dans la version d'origine il y avait du poids. Alors si quelqu'un sait ce que c'est, parce que franchement ça me dit rien du tout. Alors qu'est-ce que change le poids? Je sais pas, parce que l'esquive apparemment bouge pas. Alors je pense que quand on aura de l'esquive plus tard, le poids doit baisser l'esquive. Je vois que ça, hein, l'esquive ou la vigueur, l'agilité, je sais pas. Ouais, ça doit baisser l'esquive, je pense, le poids, et monter du coup, bah, les stats de l'objet. Hein. Je saurais pas dire. Sectionner deux persos permet de deux fois un perso. Ouais, ouais, normal, ouais. Maintenant, on a toutes les compétences comme ça, par truc. Bon, ça, c'était déjà le cas avant. Mais maintenant, c'est plus sympa parce que c'est 3 par 3 comme ça. Enfin, j'aime bien, en tout cas, l'interface, j'aime beaucoup. Bon, ça a rien à voir avec avant. Ça revivre avec son temps. Mais j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut changer? Baisser ça un peu. Ça, on laisse comme ça. Vitesse de combat, on va laisser. Vitesse de. Ouais. De toute façon, j'ai déjà tout changé la dernière fois. On peut voir le bestiaire pan qu'on est dans le jeu. Donc, vous voyez, on peut voir qu'est-ce qu'on peut leur voler et qu'est-ce qu'ils peuvent lâcher comme objet. Et puis leur stat, quoi. Les gilles, c'est XP qu'ils donnent. Point de magie 10 000. Pas mal. Alors, mais. Ah, il y a le niveau des ennemis aussi. Niveau 6, niveau 2, niveau 3, d'accord. Bref, bah, je crois que j'ai tout montré. Ah oui, il y a la sauvegarde rapide. Très sympa. Comme ça, je peux arrêter les vidéos quand je veux. Je suis pas obligé d'attendre d'avoir un point de sauvegarde. C'est assez sympa. Après, faut pas que je me loupe parce que si je crève au début de la vidéo suivante, bah, je dois me retaper. C'est peut-être pas une bonne idée. Alors ça c'est un peu n'importe quoi. Là en gros il se cache. C'est un peu what the fuck, faut l'avouer. Ah. Je laisse le mode auto hein, parce que de toute façon on peut que attaquer pour l'instant. Donc Galuf qui il a pas d'arme, il attaque avec ses poings. Ah par contre ce qui est bizarre c'est que les combats sont assez lents. Enfin les animations sont lentes je trouve. Surtout genre les coups de poing, les trucs comme ça. Ah j'aime bien la petite interface comme ça aussi. En tout cas au niveau interface je trouve ça génial. Niveau... je crois que j'ai eu de la chance d'avoir un casque en fait tout à l'heure parce que... J'ai dû l'avoir sur un gobelin ouais. Je crois que c'est ça. C'est où mon réglage ouais. C'est qui donne des casques? Ouais, il y a un gobelin qui m'a donné un casque. Ouais, parce que j'ai eu de la chance. Du coup, j'ai deux casques. Du coup, le boss, je vais le défoncer. Non, je déconne. Enfin, si, je vais le défoncer, mais c'est pas pour ça. La première vidéo va bientôt s'arrêter. Donc là, on voit le bateau qu'on a vu au tout début avec Faris dessus. Qui est Faris? On sait pas. Mystère. Alors ça c'est bizarre aussi parce qu'il n'y a plus de vent. Bon ils connaissent pas les moteurs apparemment. Donc on va sauvegarder. Je vais sauvegarder dessus ma première sauvegarde. Et j'ai mis 2 minutes de moins que la dernière fois. Alors ouais j'ai mis... J'ai que 19 minutes, j'ai 20... 19 minutes de jeu, 21 minutes de vidéo. Peut-être qu'il compte pas l'intro, je sais pas, bizarre. Bref, du coup, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. À essayer de deviner ce que j'ai mangé. C'était japonais, ça va avec le jeu.
Et il faudra un cadeau pour celui qui... pour celui qui trouve ce que j'ai mangé. Alors... Bah, donnez-moi des idées de cadeaux. Mais faut pas que ça coûte de l'argent. Faut que ça a un rapport avec les vidéos, sinon c'est pas drôle. Ouais, non, mais je dis de la merde, hein. Bah, je vais arrêter de jouer avec le menu, et puis je vais vous laisser là. Cette vidéo est un petit peu faite rapidement, donc j'espère que je prendrai plus mon temps la prochaine fois. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour enregistrer, donc... Enfin, je vous expliquerai ça plus tard pendant la prochaine vidéo Nouvelle Fraîche, on n'est pas là pour ça. L'avantage de Nouvelle Fraîche, c'est que je peux parler que du jeu dans les vidéos des jeux maintenant. Voilà, donc bah, à la prochaine, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous aime. Salut !